Téléstar, y a-t-il des compétitions que vous ne remportez pas? Denitsa Ikonomova, rire, je suis sûr qu'il y en a. Si est-ce très surprenant, même pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Je m'étais dit que si je faisais un prime ou deux, ce serait vraiment génial. Êtes-vous plus fier de remporter Mask Singer que Danse avec les Stars? Si EST assez différent. Si EST une autre fierté, totalement personnelle. À chaque fois que je fais une compétition de danse ou Danse avec les Stars, si EST toujours une victoire à deux, puisque ce sont des danses de couple. D'autant plus dans Dal, où on met plus en avant les célébrités que les danseurs. Alors que dans Mask Singer, cette victoire, si est la mienne, et à personne d'autre. Saviez-vous que vous pouviez chanter aussi bien? Pas du tout, rire. Si est pour ça qu'au début, j'ai hésité et je me demandais ce que j'allais faire dans Mask Singer, un concours de chant. Mais si est un beau challenge. J'ai demandé à la production si je pouvais prendre des cours de chant et à quelle fréquence. Ils m'ont répondu autant que tu veux, donc je n'ai pris tous les jours. J'ai libéré mon planning. Je ne voulais pas me ridiculiser. Je voulais me donner tous les moyens pour aller le plus loin possible. Je suis une vraie compétitrice donc quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Ces messages de Jarikoa reçus d'Enitsa Ikonomova pendant le tournage de Mask Singer Quest, ce qui vous a poussé à accepter ce défi fou? Outre l'aspect challenge, si est parce que j'adore chanter. C'était un contexte exceptionnel mais une belle opportunité pour chanter tous les jours et m'amuser sur scène. Les producteurs m'ont tout de suite mis à l'aise. Hormis Jarry, vous avez longtemps donné du fil à retordre aux enquêteurs. En êtes-vous fier? Je ne suis très contente, oui. Pour ceux qui me connaissent, ce n'était pas difficile entre les indices, ma voix reconnaissable et mon petit accent donc j'avais peur que ce soit difficile de tromper tout le monde. Au début, j'ai essayé de faire un personnage plus réservé, qui ne savait pas trop comment se comporter sur scène. Je faisais même des faux pas, rire. Quid de vos proches? Ont-ils trouvé instantanément votre identité? Ceux qui regardaient, oui, assez rapidement. Ils me disaient « Ne me dis pas que tu as fait Mask Singer ». C'était difficile de leur mentir. Pendant le tournage, receviez-vous des messages de Camille Combal pour tenter de savoir si vous étiez sous ce costume? Camille, non mais Jarry oui. Rire, à chaque fois, je lui répondais, de quoi tu parles? De quel papillon, tu parles? Si est-ce dur de mentir à ses amis? Denitsa Ikonomova, quand j'ai vu ce bisou, je me suis dit ah oui, si est-ce intéressant même pour une danseuse, est-ce compliqué de danser sous le costume du papillon? Très compliqué. Je suis danseuse mais je mets des costumes dans lesquels je suis à l'aise. Les ailes pesaient 5-6 kilos. Les antennes se prenaient tout le temps dans les ailes, si bien que sur certaines prestations, elles se sont cassées. Je ne pouvais pas tourner la tête comme je le voulais. Dès que je tournais, j'étais déséquilibré par les ailes qui m'emportaient. J'étais également restreinte dans mes mouvements par le harnais, etc. C'était vraiment pas facile.
Déjà que le chant était un sacré challenge, mais là, ils ne m'ont pas gâté avec mon costume, rire. Même s'il était génial et que je ne le changerais pour rien au monde. Est-ce vous qui avez choisi Karine Ferry pour le duo de cette finale? Non, ce n'est pas moi qui ai choisi, mais j'étais ravi de pouvoir chanter avec elle. Surtout qu'on se connaît très bien. J'avais regardé quelques-unes de ses prestations sur la saison 2, je trouvais qu'elle avait un très joli grain de voix. On partait de très très loin toutes les deux sur le champ, donc c'était le binôme qu'il me fallait. Le bisou avec Karine Ferry en fin de prestation a émoustillé Kev Adam. Même moi quand j'ai vu ce bisou, je me suis dit ah oui, si est intéressant, rire, mais nous n'étions pas du tout au courant que nous avions échangé un bisou. On ne voit rien dans les costumes. Avec Karine, on voulait juste se faire un câlin. On ne savait pas que nos bouches se touchaient, rire. Loading, widget. Oui,